آلة القطار بتنوع أشكالها وأحجامها واختلاف عدد أوتارها تحولت خلال الدورة الرابعة للمهرجان العالمي للقطار إلى وسيلة تواصل ثقافية بين الشعوب. فرق موسيقية وأساتذة موسيقيون وعازفون عالميون قدموا من مختلف بقاع العالم ليساهموا في هذه المنافسة الفنية لنيل لقب أمهر عازف على آلة القطار. هذه الآلة التي تضرب بجذور تاريخها منذ بداية القرن العشرين. Beaucoup de Belges et de Français qui vont en académie, qui apprennent la guitare ci et là, mais qui n'ont jamais la chance d'entendre un jour un professionnel. Et bah, justement, ce genre de festival répond à cette demande. Il faut un jour entendre quelqu'un qui sait jouer de la guitare, à part son prof. Parce que c'est son prof, qu'est-ce qu'il joue ? Il nous joue une partie de notre musique, une mesure. Mais on n'entend jamais vraiment quelqu'un qui travaille de sa vie la guitare et qui prend le temps de jouer. Et pour ça, je pense que le festival, pour faire connaître la guitare, on va pas se mentir, la guitare est assez connue, mais la guitare classique est trop souvent oubliée. Intéressant ce festival, aussi intéressant pour nous les jeunes, les jeunes étudiants en particulier, d'entendre de nouvelles choses, peut-être de nouvelles musiques, de représenter aussi le monde arabe. Parce que le festival se passe, on est ici dans une institution aussi, l'Espace Mag maghrébine. Donc toutes les cultures sont représentées, c'est ce qui fait la diversité. إن القطارة هي النسخة الأوروبية الأكثر شعبية، وهي تختلف عن شقيقاتها على حسب الرنة وعدد الأوتار سيما العود العربي والمندولين النمساوية. هذا وقد تصنع عدة أنواع من القطارات، وهي تختلف في مداها الصوتي، كما أن المميز فيها أن نغماتها تصبح أكثر سلاسة حسب العزف وحسب ثقافة كل عازف. Je pense qu'il y a effectivement une musique classique européenne qui s'est développée, avec tout le répertoire classique européen, et le lien, on va plus le trouver dans les musiques comme le flamenco, où là, forcément, on a une source non seulement géographique, puisque bon, le monde gitan est venu d'Inde, a parcouru une grande partie du monde pour finir en péninsule ibérique, mais on retrouve effectivement dans l'inspiration de certaines pièces flamenco des inspirations de l'époque arabe, de l'Espagne aussi. Alors aujourd'hui, avec le monde internautique qu'on a, je veux dire, c'est cadeau, c'est facile, c'est la porte à côté, quoi. Bien sûr, il suffit de l'inspiration, du talent aussi, parce qu'il ne suffit pas de mélanger les cultures pour que ce soit bien. Sinon, c'est un immonde patchwork. Là, vous voyez ce que je veux dire, la combinaison, c'est pas facile. La fusion n'est pas facile. Fusion ne veut pas dire patchwork. En dépit du bon sens, le goût, qu'est-ce que le goût ? Je ne serai pas là pour l'expliquer, c'est impossible. في هذه الدورة قدم كل فنان قطعة موسيقية تحكي ثقافة بلاده. نراه هنا يداعب برقة متناهية أوتار قطاراته لتخرج ما في حوزتها من خبايا وأسرار فنية أمام عشاق الموسيقى الكلاسيكية. إن هذه الدورة عرفت مشاركة عربية لتنمي تلك العلاقة الوطيدة بين الفن الشرقي والفن الغربي. La particularité, c'est que c'est un festival qui réunit diverses formations de divers horizons. Donc ici, pour le coup, nous, on est un groupe belge, mais bon, ce soir, on va entendre un groupe italien. On a entendu des guitaristes grecs. On a entendu, on va entendre demain un guitariste français. Donc ça réunit vraiment beaucoup de cultures et de styles musicaux différents. Que la musica unisce. Accomuna tutto il mondo e quindi non c'è, è un linguaggio universale ed è stupendo prendere le energie di tutte le musiche del mondo perché si possono capire senza barriera. La salle est très belle, elle est à l'italienne, donc en fait il y a une mezzanine, et donc on se sent proche de l'instrumentiste, et je trouverais dommage d'avoir tout le festival avec une immense salle, avec 4000 personnes, un guitariste tout au bout. C'est pas tellement l'esprit de la guitare, je crois que c'est, on se sent plus fraternellement unis dans une salle un peu plus petite, un peu plus chaleureuse.
المهرجان يعرف اهتماما مركزا من لدن أمهر العازفين على آلة القيطارة، وهم يرونه كمكان تواصل يمكن من خلاله تبادل الأفكار والمهارات الفنية، كما أن الشباب والأجيال الصاعدة اتخذت المهرجان منارة لكي تتبع خطى الخبراء وتكتشف خبايا أوتار القيطارة. معلومات أهداها مدير المهرجان لقناة الثقافية تقول أن المهرجان الدولي لقطارة ستنظمه الأوركسترا الوطنية البلجيكية، ومن المنتظر أن تحضره الملكة ماتيلدا. أنامل وأصوات حناجر مختلفة الأجناس مجزت هنا في هذه الدورة الرابعة للمهرجان الدولي للقطارة بأوتار فأعطت باقة فنية من النغمات سحرت هذا الجمهور الذي ما زال تتعدد ثقافاته. محمد العباني، الثقافية، بروكسل.